ça va, il y a pire que l'Audi R8, j'aurais pu tomber avec la Bentley, quoi. Ouais, il y, y a pire que la McLaren aussi. À la relance, sur cette piste, je sais que pour me dépasser, ça va être coton. Et moi, elle est pas mal à la relance, hein. Réglée par Jimmy. Ouais, mais par contre, en entrée de virage, bah, je vais peiner. Surtout sous la pluie. Non, je déconne. Qualif, 15 minutes. Ouais, ok, c'est nice. Potable. C'est potable, par contre, c'est potable. Avant, je vais quand même regarder combien de temps de course. 5 tours. Ouais, ça. C'est bon aussi. Bon. On était en combien l'autre fois? Je sais même plus. C'était quoi? Une 25? Une 24? Je ouais, sais, ouais, 24. Je pense qu'on était en 24. Mais on était très très bien classé, on avait les deux voitures dans le top 5, je crois. Hein. Ouais. Et c'était la Z4. Alors, ce que ça donne avec autre chose dans les mains maintenant. Ouais. La Z4, on la connaît par cœur. Ah. J'avoue que la R8, je l'ai quasiment jamais touchée. Quoi. C'est ce que j'ai dit au juge. Alors, ouais, je sais pas si ça te sauvera, hein, mais. Non. Bon, 22 tours, je pense que. Allez, 5 minutes d'épreuve, un tour en 1,25, on va mettre, allez. Allez, 10 tours, vraiment pour être tranquille. Quoi. Non, ne me juge pas, je sais pas compter. Ouais, j'ai à la, je sais pas où t'étais parti, mais. Wow. Bon, allez, go les qualifs. J'ai déjà drapeau blanc en sortant des boxes, quoi. Alors, le drapeau blanc en pleine qualif, je vois pas le rapport, mais. Bah, voiture lente. C'est aux States que ça veut dire dernier tour, mais en Europe, c'est drapeau blanc. Ah putain, ça y est, je suis perdu, moi, avec chaque fois entre les deux. Moi, j'ai que le dernier tour, hein, pour moi. Dernier tour avant départ, quoi, en tête. Ouais. On est d'accord. Bah, tu me diras, au NURB, ils sont en drapeau blanc avant le départ. Hein. Oui, juste. Donc, bon. Sous virage. Ah oui, bah si j'ai l'appui d'Hockenheim, oui, ça va pas aller, ouais. Ah, tu sais que je suis parti sans appui, là, hein, quasiment. Hein. Ouais, moi aussi, ça se voit. Ah, nickel, moi, ça passe. Oh, putain. Ok, bah ça se voit tellement bien que bah, le turn 1, je l'ai éclaté. Ah, c'est là où j'ai peur en fait, moi. Ah, bah le freinage, je l'ai perdu direct. Ah, bah, tu peux rien faire. C'est toi qui sortais des stands devant moi là? Non, non, je suis secteur 3. Ah, quel jeu de mots! Ouais, c'est. Ouais. Comme quoi, l'appel. L'appel des bons jeux. Alors. D'ailleurs, c'est très drôle, il y a un abonné il y a quelques jours qui est venu voir qui m'a fait. Sur la vidéo de PK, il me fait. Alors, t'es toujours d'accord? Comme quoi, c'est. Je fais pas du tout. C'est du foutage de gueule depuis 2 ans et demi, mais c'est pas grave. Ouais, 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 et ouais. On déclenche le chronomètre. Allez, on remet l'appui, on va tenter. Non, ne souvire pas, cocotte. Ah, les joies du moteur central. Ah, oh, bon sang, le transfert des charges dans certains virages, c'est un enfer. Vous battez le record du segment 1, bah ça promet. Vache. Moteur arrière. Pardon. Putain, mais il y a des virages que je prenais en 4 avec la BM, ici je suis obligé de descendre en 3 quoi. Elle est trop dure. Ouais, je pense que ouais, ce sera pas mieux que la McLaren, hein. Je pense que je vais galérer. En plus je pars avec 60 litres, hein, pas comme ça le garçon. Oui, t'as raison, fais simple. Facilite-toi la vie, c'est bien. J'essaie d'être à peu près à ton niveau, ce qui est pas évident. Hein. Oh, tu dois te brider alors. Oh. Ouais, il faut vraiment de l'appui parce que là c'est pas possible. Et vu que je viens de la taper, je ferais mieux de me taire. Eh, je suis P3 en une 27, hein, tout va bien. Une 20 quoi? Mais c'est pas ça, c'est le P3 qui fait peur. Alors attends. On va surtout faire
un peu plus d'appui parce que là, faut pas déconner. J'en ai quasiment pas sur la McLaren déjà à la base, moi donc. Bah, moi je dois en mettre parce que je perds tellement de temps à la placer en virage que. Ah bah j'ai tout mis à fond, hein, mais j'ai rien quoi. Ah oui, d'accord, t'as tout mis à fond, mais t'as rien, mais tu l'as mis à fond. Ouais, voilà. Bon, on va sortir. Oh, voilà. Ah, ça commence les mots d'excuses sur le chat. Bah ouais, bah y'en a un, il m'a bloqué, donc c'est un peu pris mes phares dans le rétro. C'est ce qui est à une première étape. La prochaine, ce sera mon pare-choc. Et la prochaine, ça devient Peggy 18. Ah, ce rire n'est pas plus rassurant. Le gros sadique. Alors, est-ce qu'en 4 ça passe? Oui, trop d'appui. J'ai l'arrière qui décroche à chaque virage, c'est chiant. Ah, le saligo, il se sert de moi comme poisson pilote. Poisson pilote, tu m'expliques celle-là? Ah, tu la connaissais pas? Non, je connais comme lièvre pour les courses de lévrier, mais... Ben, c'est le même principe. Ok, ça s'appelle poisson pilote. Ouais. Jamais entendu. Bien sûr, on est gêné par un ignorant McLaren qui prend le temps de laisser de la place devant lui pour pas être gêné. Ah, c'était toi que j'ai derrière moi, là? Ouais, j'ai donné un coup de frein pour pas être gêné non plus. Bon, on est P4 en 1.27. Ah bah voilà. Problème solved. Voilà, et dès qu'on inverse les positions que je me retrouve derrière lui, bah il est lent à me crever quoi. Putain, mais casse-toi quoi, sérieux. Tu énerves tout le monde, arrête, va-t'en. Non mais casse-toi. Ah, il continue de me tenir, hein, non mais... Par contre, faut que je fasse vraiment quelque chose pour l'appui parce que, là... Il me bloque volontairement. On est tombé P5, je rappelle qu'on est en 1.27, notre record à chacun c'est quoi, une 24, quelque chose comme ça, dans la 1.24, donc on est quasiment 3 secondes derrière ce qu'on peut faire, mais bon, c'est du open, hein. ça reste compliqué. Alors je dois avouer l'ignoble chose que j'ai faite. Oh, on n'est plus à une près, hein. Ah, il n'a pas voulu se pousser, donc au final, bah, je l'ai sorti. Sans l'effet chewing-gum? Non, mais je l'ai pris au freinage, à l'arrière. Comme tu sais si bien le faire. Voilà. À droite, à gauche, il m'a bouchonné de tous les côtés, bah écoute. Eh, j'ai fait un appel de phare, il s'est écarté. Alléluia. Non, mais par contre, j'ai un gros, gros problème. Ah, fils de... Tu m'as rentré dedans. Avec ta McLaren là. C'est pas toi hein, je sais mais Je sais. Je me serais pas permis, attends. En fait je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais mettre deux d'appui à l'arrière. Ah oui, tu as vu quand même. Non, peut-être pas deux mais Où est-ce qu'il est l'appui? Ce moteur central. J'ai vraiment du mal quand même au niveau des freinages. Faut vraiment le temps de s'y faire. Bon, il reste 6 minutes 10. Et j'ai toujours pas de temps. Ça sera ma dernière tentative. Et toujours 6ème sur 24 avec, je rappelle, le 1.27 dégueulasse. Fait avec 4 croisements de main sur le tour. C'est pour vous dire à quel point il est dégueulasse. Oh là là, il y en a qui ont vraiment du mal là. On va se donner des objectifs, Max. 24 pilotes au départ. Je pense qu'arriver au bout, comme d'hab, ce sera... Arriver au bout, top 5, c'est... Ouais. Ouais, moi je joue top 10 parce que j'ai le chat noir qui est toujours assis dans le baquet, donc... 1.27, P8. Oh, le nul. C'est clair. Mais là, ça, la Z4 me manque énormément.
L'appui de la Z4 me manque. Même son équilibre avec le moteur à l'avant, hein, parce que là, la McLaren avec le moteur à l'arrière, c'est pénible. Mais je comprends, je suis en Audi. Très très pénible. Mais qu'est-ce qui est pénible, le moteur à l'arrière ou que je sois en Audi? Les deux. les deux. Clairement les deux. J'ai un problème d'équilibre de fou sur cette bagnole, mais c'est horrible. Bon, on va tenter un dernier tour, histoire d'au moins faire essayer de faire la minute 25. Histoire de faire une pole. Attends, mais je vois les M3 et les Z4 qui arrivent même pas à me suivre en courbe, quoi. Je dis, mais les gars, vous êtes deux fois plus rapide que moi en courbe, quoi. Il me semble, attends, la dernière vidéo qu'on avait fait ici, j'avais même fini P2, il me semble, de tête, à la stratégie aux arrêts au stand. Donc j'ai un gros challenge, là. À faire mieux. Ça va être compliqué. Oh, un monsieur en Porsche qui se pousse. Alors là, je suis une croix dans le calendrier. Ouais, il est très fair play. Une McLaren dans le bac. C'est pas la mienne. Non, non. J'aurais entendu une insulte et comme j'ai rien entendu, je sais que c'est pas toi. Alors il me reste 3 minutes 19. On va essayer quand même d'aller faire un peu mieux. Ah bah le v'là. Voilà. On est P5. Il reste 3 minutes. Techniquement assez pour deux tours. Eh, je suis passé de P5 à P8 là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Logique. T'es devant déjà. Moi? Oui. Ah, je suis P11. Tu sais cette angoisse que quand tu améliores, tu vois une voiture sous ton nez. C'est ouais, c'est là où tu te dis va-t-il tout gâcher. Ouais. Oh, c'est pas passé loin. Parce que je désespère pas de pouvoir faire encore un tour. Ouais, il reste une 50, allez. Et on améliore encore, allez, allez. On va l'avoir, 7 minutes 25. Presque. J'ai complètement foiré mon premier secteur. Ah, quoique, pas tant que ça. Ouais, si, c'est fini. Ah là là là, trop longtemps sur le frein et c'est fini pour moi. Bon, bah moi ce sera au mieux P8. Je suis P10, donc écoute, on est dans la même... Vérifie ton niveau. Descente. Mon niveau. Ah, bah j'ai fait des qualifs avec 60 litres, donc je pense que j'ai assez. Ouais, ça devrait aller. Effectivement, c'est ballot avec les Z4, on aurait pu aller chercher la pole, quoi. Peut-être pas la pole pour moi, mais au moins un top 5. C'est des temps qu'on avait fait l'autre fois. Hein. C'est juste. Ah, on est tous les deux top 10, ça va, sur 24, ça va.
Avec la chance qu'on a, à la dernière seconde, il y a un gars qui va te passer sous le nez. C'est un peu ça. Je reste sur la ligne, juste derrière toi. Alors, est-ce qu'on part côté 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu pars avec 2 McLaren derrière toi, ce qui est relativement tendu, quand même. Ça, je dirais même 3. Oh, oui, joli. Donc, il y en a 4. Encore 4, et il y en a encore 2 derrière moi aussi. Oh, sympa. Moi qui l'avais pris pour être tranquille, bah, Il y en a encore 2 devant. Ouais, il y a que des McLaren, en fait. Pelui de McLaren, et une Roof qui fait la pole devant une McLaren. Il y en a un qui a réussi à quand même taper une SLS en P3, hein. En une 24, avec le moteur à l'avant, forcément. Mais comment... Oh là là, il y a des Grecs derrière, j'ai peur. Parce que Zeni Slitva, là, 20e avec la Z3. N'aie pas peur. Je laisse le pied sur le frein. Appel de phare. Salut, Janine. Tu viens pour dîner. Parce que j'avais pris un super départ. Oh, et le peloton ouvert en deux par une McLaren de chez Lexis. C'est pas la mienne, hein. Non, non. Moi, j'essaie de garder l'intérieur sans qu'il referme. On m'a vu. Ah, je suis juste derrière toi. Tiens, c'est moi qui est là. Wow. Oh, ben. Allez. Au revoir, Maxou. Non, mais c'est scandaleux. Et les mecs freinent pas, quoi. Mais vous êtes sérieux. Non, mais please. Bon, typical départ de Père Pécard, quoi. Alors, pluie de pénalité. Ah, bah, elles sont là, toutes les McLaren, en fait. Salut. Je suis un pilote Audi. Je vous double hors circuit parce que j'ai payé la CO. Allez, salut. Bon, on est P13. Alors, je reprends ce que je disais avec l'idée du top 10. Ah, je suis P8, donc je peux toujours me battre pour le top 5, hein. Ah, ouais. Moi je me bats pour ma vie, ce qui est déjà un objectif relativement honnête. Ah, la McLaren derrière moi qui met un taquet, mais je m'en sors. Eh, c'est 5 tours, mais vous êtes chaud, hein. Très chaud. Et je suis P6. Oh, attention, il y en a partout dans la ligne droite. Ouais, oh. j'ai réussi à esquiver tout le monde, ils se sont foutus en l'air. Et c'était très bah bon. Pas moi, parce qu'avec la que j'ai, le avec la BM est venu me remettre en plein milieu. En tout cas, la Deutsche Qualität, elle fait son effet, hein. Parce que là, ce que je viens de prendre, je suis toujours en piste, on est P12. Allez, t'es avec un gars. Je ne lâcherai pas. Je suis mais entouré de McLaren devant, derrière, partout. Moi j'étais aussi entouré, mais elles m'ont fait trop de mal, si tu veux. Ils sont vraiment violents. Ah, fair play le monsieur, et je m'y mets tout seul. Ah, comme un grand. Ouais, sauf qu'ils m'ont aidé à la fin, mais... Ouais. Ah, c'est-à-dire que... Oh. Je suis P10 maintenant. Et là, non, tu passes, 11. Je pense. Voilà. Ah non, j'ai... Oh, bah, t'as plus rien sur la voiture. Écoute, non, non, mais j'ai fait des frais... j'ai revendu les pièces d'occasion. Plus de pare-choc arrière, plus d'aileron, y a plus rien. C'est pas grave. Tu sais, je vais dire maintenant que la direction elle est droite, hein, le reste. Et j'y vais. Oh, joli. Vous l'avez apprécié dans le rétro, ce coup de volant de PLM Docteur. Alors, rappelle que tu tiens une page d'actualité sur une grande marque automobile, hein, avec tes connaissances. Qui n'a rien à voir avec cette vacherie à moteur central, hein. Et dans Paddock Hill, je me mets tout seul en tête à queue, quoi. Oh, tellement joli, la voiture. Mais oui, mais c'est un plaisir de te voir. Mais elle est naze. Voilà, bah oui mon gars, bah tu sais que je suis là, mais ferme la porte, il n'y a pas de problème. Enfin, je te finis. Oh le salaud. Oh, j'allais prendre l'extérieur, mais je me suis ravisé. J'y suis à l'extérieur, là, fais gaffe. Oh, à la relance. Oui. Ah, il va donner les petits coups de frein. Oh, Max qui va y aller. Non, il y est pas allé. Ah, si, il y va. Mais je le tasse volontairement. Non. Oh. Et toi, tu y vas, salaud.
Eh, la porte elle est ouverte, j'en profite, tu sais. C'est vrai. Ah mais je suis mais pas rassuré sur les freinages avec cette voiture. Tu la vois la stabilité de la mienne là? De mon point de vue, je sais pas si on va appeler ça une voiture, mais... Et bref, c'est que j'ai une Z4 qui me met une pression, mais... Ah, moi je suis P10, hein, moi j'ai rempli le contrat, hein. Jean-Michel Modesti. tu peux, c'est moi qui ai tout perdu alors que j'étais bien placé. J'ai méfié de ce paddock hill bend là parce que... Ouais, chaque fois je la perds. Alors, comment tu la perds? Non. Mais je peux rien faire. Elle a absolument aucun équilibre dans la descente. Dans la descente, c'est horrible. Je te dirais bien que c'est peut-être en rapport avec le fait que tu n'as plus de pare-choc, tu n'as plus d'aileron. Peut-être, ouais. J'avais déjà pas beaucoup d'appui à la base, déjà sur le train avant, mais là... À chaque tour, je me fais... Voilà, ah bah salut. Et une McLaren me remet dedans. Oh, les trois McLaren. Allez. Le ballet de walking, quoi, c'était magnifique. Eh ben retour P10. Pour l'instant l'objectif va bien. Il y a deux secondes j'étais P33, tu sais. Où les mecs ils se mettent dedans, ils te... Oh la vache. T'es à l'intérieur mais ils te ferment la porte, ils continuent à fermer la porte jusqu'au bout. On va bientôt instaurer des paris Max entre nous. Ouais je pense, ça peut être pas mal hein. C'est un peu la roulette russe au final. Ouais. Sauf qu'on se fait tuer avant de commencer à jouer. Dans le premier droit, c'est fini. Non, tu ne me tueras point, comme dirait l'autre. Et là, c'est là que je regrette énormément la Z4. On va le savoir, hein. Ah, bah la McLaren, encore une fois, toute seule comme une grande. Je la passe en troisième, mais sur limite avec le frein moteur pour dire de me ralentir, mais c'est tout, quoi. C'est tellement compliqué. On rappelle l'objectif top 10. Pour l'instant, on y est. Non. Ah, moi, je suis content. Hein. Pour l'instant, c'est mort. Je partais P8, j'arrive P10, moi ça me va. Le contrat est rempli. J'étais P6, j'ai mal freiné. Puis... Et 33 McLaren sont venus me rentrer dedans. Tu dis que j'améliore mon temps autour de 2 secondes 5 quand même, hein, dans le dernier tour. Ah, moi je le réduis de 4 secondes 5, tellement en je suis nul. En deux voitures, donc c'était vraiment très moche. Nice last lap. Ah ouais, bah les 4 premiers étaient horrible, mais les derniers sont last. Sont pas mal, effectivement. Bon, dernier droit. Ah, et je récupère la... Non, même pas, c'est un tardataire. Ah, le faux espoir, tu nous as tous mis là. Ouais, il est parti en tête à queue devant moi, je fais hop, la P12 est pour moi, et non. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi l'appui était dit difficile. J'ai plus rien sur la voiture. Ah, d'accord. Bah oui. Ah oui, t'es arrivé dans le T1, de toute façon. Ah, je comprends que je perdais l'arrière, en fait. Déjà, avec l'appui, on le passe pas vite, alors... Ouais, j'avoue. Et tu finis quand même devant moi. Ah, je finis top 10, moi, l'objectif est rempli, je suis content. Donc là, la revanche à Brands Hatch, c'est pas encore celle-là, mais... Non, j'ai perdu 11 places, au passage. Bon, en même temps, à Brands Hatch, l'autre fois, j'étais parti devant et je m'étais sauvé. Ouais, t'avais évité là, l'apocalypse du premier droit. Ouais. Là, j'étais dedans avec toi cette fois-ci, donc... Alors, bah, les résultats sont là. Voilà. C'était les résultats. Ils sont... Ah, 12. Je sais pas comment, mais 12. Bah, joli. On n'a pas vraiment bougé au final. Non, on a juste perdu 2 places. Je partais 8 et toi 10, et voilà. Donc une course qui ne sera servi à rien finalement.
On va écouter. Un quadruplé McLaren. Nous, on va rester là. On va en rester là. C'est déjà trop grave. Merci d'avoir suivi cette course en ligne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, avec ou sans Max d'ailleurs. Merci à vous. Salut!